Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Shoop Barbecue. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour découvrir quelque chose de vraiment particulier, une exclusivité en France. Si vous avez suivi un peu les actualités Facebook, vous savez de quoi il s'agit. Si vous n'avez pas regardé sur Facebook, on va découvrir ça ensemble et c'est tout de suite les amis. Alors, le colis n'est toujours pas ouvert. Le petit bon de livraison. Donc ça vient bien de ma plaque inox. Ah, déjà il y a ça. À quoi ça peut servir ça? Alors ça ressemble à quoi ça les amis? Vous êtes prêts? Ça fait vraiment son poids. Vous avez de la chance, elle est dans le bon sens spécialement pour vous. Regardez ça, c'est pas magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est superbe. Tout en inox, spécialement pour moi. Donc on va continuer avec ces deux petites choses là. Bon, c'est super bien emballé aussi. Hein. Je vais aller au couteau, ça ira plus vite. Bon, vous avez dû comprendre ce que c'était. C'est tout simplement les poignées. En plus, ça va être réglable. Ça, c'est vraiment top. Avec des bons boulons réglables, tout en inox. Ça va vraiment faire un truc super sympa. Bon là je l'ai juste posé, il faudra juste que je fasse les réglages avec les boulons, bien mettre ça. Mais en tout cas, on peut se le dire les amis, ça a de la gueule. Je vais regarder si mes poignées passent avec le couvercle, j'ai un petit doute. Bah écoutez, j'ai douté, mais les poignées passent vraiment nickel. Ils ont vraiment bien étudié ça. On va maintenant faire les premiers essais de notre grille. Comme vous voyez, j'ai mis le feu que d'un côté pour les premiers essais. Voilà. Et là, on va surtout bien la laisser chauffer pour la première utilisation. J'ai donc fait une grosse montée en température de notre grille. Et là, juste par sécurité, on va passer un bon coup de brosse pour bien enlever tous les résidus, très important. Alors, premier test avec des côtes de porc marinées. Je pense qu'on se rend bien compte de la température que l'inox dégage. On va avoir vraiment une bonne saisie des viandes. Vous pouvez remarquer qu'on se rend bien compte de la qualité de l'inox. La viande ne colle pas du tout. Ça, c'est vraiment parfait. Test de la plaque Shoop Barbecue. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis quelques pommes de terre en cuisson depuis tout à l'heure. Là, je vais faire des burgers. Donc, on va commencer par le bacon. On va bien faire roussir tout ça. Je vous laisse juger par vous-même de la qualité de chauffe
de l'inox. En plus, ça colle pas. On va maintenant passer à la cuisson des steaks. Là, en plus, c'est du bœuf charolé. Les steaks, je les ai faits moi-même. On va déjà en retourner un. Regardez, c'est des bonnes traces de marquage. La griffe fait vraiment un bel effet sur la viande. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien qui colle, les amis. Hein. Donc là voilà les amis, la grille Shoop Barbecue, elle a vraiment été faite spécialement pour moi, vous vous en doutez. C'est vraiment un prototype, c'est la première fois que ma plaque inox réalise ce genre de grille. Donc là on est sur un acier 100% alimentaire, c'est du 5 mm d'épaisseur, vous voyez c'est vraiment costaud. Là j'ai déjà fait 2-3 essais dessus qu'on va voir en vidéo. Vous pouvez remarquer la grille n'a pas bougé, évidemment elle s'est juste un peu teintée avec la chaleur et ça c'est totalement normal. Donc je vous avais déjà parlé de ma plaque inox, c'était l'année dernière. Et on va regarder la petite vidéo que j'avais fait avec le Pizzamigo ensemble, les amis. Voilà. Maintenant que mon barbecue est bien chaud, je peux mettre ma pizza directement sur la plaque. Et ça va vraiment aller très très vite. Voilà la pizza. Après 4 minutes de cuisson, les amis, j'ai retourné 3-4 fois toutes les minutes. C'est vraiment parfait. J'ai une super couleur de pâte. Ça va être un régal. Au niveau des grilles que ma plaque inox est en train de mettre en place, pour l'instant, ils ont tout mis au point, ce qui est rectangulaire pour vos barbecues. Les grilles rondes sont encore en cours de réalisation. Là, on est vraiment sur un prototype qui a été réalisé spécialement pour moi. Les grilles pourront être proposées d'une épaisseur de 4 à 6 mm. Pour cette grille-là, la grille Shoop Barbecue, ils ont choisi de 5 mm. C'est eux qui ont tout préparé. Et je peux vous dire, c'est vraiment nickel. Les deux faces de la grille ont été polies. Ça, c'est vraiment assez sympa. Ça va pouvoir permettre de retourner tout simplement votre grille et d'utiliser l'autre côté. J'espère que cette petite présentation sur ma plaque spécialement Shoop Barbecue vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de ma plaque inox ou encore leur Facebook. Et évidemment, laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.